Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'intro un petit peu, la voix un petit peu, voilà. Hein, on va pas se mentir. Toujours le retour de mon expression. Si je me suis mis là, dans ce coin totalement paumé de ma ville, ici, c'est pour pas vous spoiler, pour pouvoir faire mon intro tranquillement. Parce que j'ai des patterns pour Halloween. Tintin! C'est bon. Rigolez pas, ok? C'est moi qui les ai faits et j'en suis fière. Donc voilà, j'ai fait la petite sorcière. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est parce qu'il y aura un jeu onirique. Je la mettrai officiellement pour Halloween. Enfin, un petit peu avant Halloween, mais il y aura un jeu. Donc, trouve les 10 citrouilles cachées dans la ville. Donc, je vous montre des citrouilles comme ça. Voilà. Voilà. Donc, faut les trouver. Voilà. Sinon, il y a un monsieur là qui s'est incrusté, mais bien incrusté. Lui, genre, il s'est mis au parfait endroit. Là, j'ai pas de pelle sur moi, donc je vais pas pouvoir enlever le bambou. Là, c'est un banc que j'ai trop la flemme de rembourser, mais qu'on va le faire vu que j'ai des thunes. Vas-y. Je voudrais mettre un banc. Bonjour. 16 000! Oh, tranquille! Vas-y. Tranquille. Je pensais que ça allait me coûter 30 000. Hein. Tu as déjà mis des thunes dedans, c'est déjà génial. Donc l'écran du bas, des fois vous le verrez s'il y a des trucs intéressants, mais sinon vous le verrez pas trop. Voilà. Voilà. Donc le fond derrière, il a un peu changé. J'ai fait un petit peu de décoration, vous voyez. Voilà. Parce que c'est le truc de mon lit en fait. Et ouais, c'est la planche de ma mezzanine. Mais bref, trêve de blabla, plus de jeu. Est-ce qu'on n'irait pas se boire un petit café à 9h55? Tiens. Un petit café. Je sais même pas s'il veut bien qu'on prenne un café à cette heure-là, mais bon. Il veut pas qu'on travaille, ça c'est sûr. Je vais quand même regarder, mais. Véli, voilà. Est-ce que tu veux bien qu'on bosse? Est-ce que tu veux bien qu'on bosse? Je sais même pas si j'ai débloqué. Ah non, j'ai rien de. Ben, un café, s'il te plaît. Que tu le boives ici ou à l'extérieur? Bah, je veux à l'extérieur et je te laisse choisir vu qu'on n'a pas trop le choix. Voilà. J'adore mon fond en fait. Je le trouve mignon. Des petits poneys parce que j'adore les poneys, que je fais du concours et que je fais de l'équitation. Voilà, j'ai failli devenir pensionnaire. En fait. J'ai failli devenir pensionnaire d'une ponette qui appartenait à une amie qui appartenait qui appartient à une amie qui s'appelle l'amie s'appelle Ambre et la ponette parce que maintenant elle monte à cheval. Elle a 2 chevaux plus le cheval qui a son frère, mais il est un peu. Enfin, il ne veut pas trop le monter et sa soeur lui emmène les coupes avec lui, mais bon. Donc il y a une Valachie, elle boite, mais bon, voilà. Elle m'avait proposé sa ponette qui s'appelle Poupette, mais j'ai dit non vu que j'adore trop les chevaux du club. Plus particulièrement ma queue, avec qui vous verrez sûrement des vidéos de concours très prochainement. Voilà. Merci beaucoup, Vrou. Attends, il m'a donné mon café? Ah oui, il me l'a donné. Bon bah. Voilà. C'est juste pour vous faire un petit tour, hein. Avec ma. Je sais, ça va pas du tout ensemble. L'ensemble là, la tête de chat et la feuille, ça va pas du tout avec le reste. Mais dessous, il y a une coupe violette dégueulasse qu'il faut que je change en orange. Très clairement. Parce que pour l'automne et Halloween, c'est bien. Je me referai une coupe vu que je suis pété de thune avec ce personnage là. Enfin, pété de thune, hein. Faudrait que. 33 891. Voilà. Mais bon, je me referai une coupe pour Noël. Je me ferai beaucoup de choses. Et voilà le bout. Normalement, elle aura un chignon avec les cheveux violets. Mibu, voilà. Donc, c'est ici qu'on va se laisser avec Lydie et Robusto dans ce magnifique café. Donc, gros bisous, mes petites fraises. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!